Sonia, Frédéric, bonjour. Bonjour Sam. La 101e, on est à Cannes, encore une fois chez vous, pas loin de chez vous. Nous on est à Nice, on n'est pas très loin, mais on s'est dit bon allez, c'est pas grave, 101e, on y va quand même, au Martinez. Et donc on cherchait un sujet qui pouvait coller avec notre 101, 101, une cliente qui aurait 101 ans, un groupe de 101 noms de domaine, quelque chose. Non, il n'y a rien, vous n'avez rien de tout ça. Oh, on n'a pas trouvé, comme ça, sur le vif. On part comme ça juste sur un 101e. Voilà. Allez, aussi simple que ça. Alors pour ce nouveau numéro, on va parler du nom de domaine monsterfinance.eu. C'est une décision ADR qui date de juin 2009. Il a retenu mon attention parce que la problématique là, c'est qui est légitime à demander le transfert d'un nom de domaine. Alors en fait, on a une société Monster Worldwide qui est titulaire de noms de domaine et de marques. Et en fait, c'est sa filiale, Monster Ireland, qui a agi et qui a lancé la plainte. Donc au niveau du nom de domaine en cause, bon, il n'y a pas de difficulté particulière. Les signes sont identiques. Monsterfinance.eu avec des marques antérieures Monster. Donc il n'y a pas de souci au niveau de l'identité des signes. Monsterfinance, c'est pas quand même autre chose que Monster? Non, parce que l'élément dominant, c'est Monster, en fait. Donc si moi, j'ai une marque, par exemple, d'un premier mot, si j'ajoute d'autres mots derrière, je peux quand même récupérer ça parce que j'ai une partie du mot qui m'appartient? Ça va être au cas par cas. Voilà. J'ai réussi à le placer, c'est bon. Ça va être au cas par cas, ça va dépendre des activités, mais là, en l'occurrence, ça a été suffisant parce que Monster 1 est dominant. 2, Monster est une marque, en fait, très connue. Donc, ils ont joué énormément sur la renommée, en fait, de la marque. En plus, c'est des activités identiques. Donc, du coup, au niveau de la confusion pour l'internaute, ils ont constaté que ce risque pouvait exister. Ils sont ensuite fondés sur les sites internet qui avaient une apparence similaire. Donc, tous ces éléments de fait ont permis en fait de conclure, enfin, ont permis à l'examinateur de conclure que le demandeur était légitime à obtenir le transfert du nom de domaine. La problématique en fait ne se situe pas à ce niveau-là. Moi je voulais insister sur le demandeur. Le demandeur en l'occurrence était la filiale en fait de Monster Worldwide qui elle était titulaire des marques en fait. Donc on va se demander si cette filiale était bien légitime à obtenir le transfert de ce nom de domaine. On avait vu dans une affaire précédente, quicksilver.com, que le demandeur n'avait pas été reconnu légitime à obtenir le transfert du nom de domaine parce qu'il bénéficiait uniquement d'une licence qui ne portait pas sur l'ensemble du territoire en l'occurrence et en plus non exclusive. Là, du coup, on voit quand même que c'est pas forcément si évident que ça, même si au niveau des activités, là, de la même manière, il n'y avait pas de soucis particuliers. Il faut quand même réussir à prouver qu'on a un intérêt à obtenir le transfert de ce nom de domaine. Et là, en l'occurrence, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on produit un contrat de licence ou autre. Et là, il n'y a pas d'écrit. Par contre, l'examinateur, en fait, s'est fondé sur les liens juridiques qui existaient entre Monster, la maison mère, et Monster Ireland, sa filiale. En fait, c'était une filiale qui était détenue à 100%. C'est un élément qui a suffi à l'examinateur à dire qu'il y avait un lien suffisant, en fait, sans rapporter de preuves supplémentaires. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, dans cette décision, avant d'engager une plainte, c'est vérifier qu'on est bien compétent et qu'on est bien habilité à demander un transfert de nom de domaine et à lancer, en fait, une telle plainte. D'accord, donc en fait, c'est de définir sa position juridique par rapport à son nom de domaine. Exactement. D'accord. Voilà, disons qu'il n'y avait pas ici de contrat qui a été produit, mais simplement les liens juridiques et apporter la preuve de ces liens juridiques entre la maison mère et sa filiale à 100%, j'insiste sur le à 100%, était suffisant pour l'examinateur. Donc il fallait bien sûr un lien juridique entre les personnes qui venaient prétendre à ce nom. Très bien. Bon, c'est bien. Autre chose à rajouter sur ce Non, ce ça a été très clair. Non, c'est bien. Parfait. Qu'est-ce que nous voyons la semaine prochaine? On va réfléchir. On verra. D'accord, très bien, ça marche. À la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine.